Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir une technique vraiment simple que j'ai découverte il y a vraiment très récemment. Cette technique, elle consiste à évaluer la distance relationnelle que vous allez pouvoir mettre entre vous et les personnes qui vous entourent. Je m'explique. J'imagine que dans vos relations, parfois, certaines se passent vraiment bien et puis d'autres beaucoup moins bien et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Par exemple, avec votre employeur, ça se passe pas très bien. Avec votre enfant, vous avez du mal à communiquer. Avec votre adolescent, vous avez du mal à communiquer. Ou encore avec votre épouse, vous sentez des tensions mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Ou encore avec votre belle-mère, vous sentez que vous étouffez dès qu'elle vous parle. Dans toutes les relations que nous vivons, en fait, il y a un concept qui est intéressant de bien cerner, c'est la distance relationnelle. Et en fait, trouver la juste distance relationnelle entre vous et quelqu'un de votre entourage, c'est trouver une certaine proximité avec la personne afin que vous vous sentiez connecté avec elle, tout en gardant une certaine distance avec elle, de façon à ce que vous gardiez votre intégrité et votre espace intérieur suffisant pour pouvoir vous exprimer comme vous le voulez. Donc si on prend deux exemples complètement opposés l'un à l'autre, si vous êtes trop loin de la personne avec laquelle vous voulez communiquer, eh bien vous n'allez pas vraiment connecter avec cette personne et vous allez sentir que vous avez mis une distance un peu trop grande entre elle et vous. À l'inverse, si vous êtes trop près de la personne ou si elle est trop près de vous, vous allez peut-être étouffer l'autre ou vous allez vous sentir étouffé. Et donc, dans ce cas-là, il sera nécessaire de faire des ajustements afin que les deux protagonistes retrouvent une place qui leur convienne. Pour évaluer un petit peu la distance relationnelle juste que vous allez pouvoir mettre avec les personnes de votre entourage, je vous propose l'exercice suivant. D'abord, focalisez-vous sur vous, prenez un moment dans lequel vous êtes calme, détendu, trouvez un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé, asseyez-vous ou allongez-vous et fermez les yeux. Fermez les yeux, détendez-vous, respirez quelques instants. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Encore une fois, à l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Une dernière fois, à l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Puis prenez un papier avec vous et un crayon. Sur le papier, dessinez un cercle, un grand cercle. Puis dessinez-vous au centre du cercle. Alors, dessinez-vous d'une façon très schématique, hein. L'idée, c'est pas de faire vraiment un dessin qui soit très esthétique. Dessinez un personnage qui vous correspond au centre du cercle. Concentrez-vous sur ce cercle et sur vous au centre. Maintenant, dessinez une personne de votre entourage dans ce cercle. Choisissez une personne de votre entourage. Ça peut être par exemple votre femme ou un de vos enfants ou votre boss. Dessine-le dans le cercle, peu importe l'endroit où vous voulez le mettre, dessinez-le. Et ressentez. Ressentez si la personne que vous avez mise dans le cercle est à la bonne distance de vous. Peut-être que vous allez sentir que, en fait, vous avez mis la personne trop près de vous. Peut-être que vous vous sentez étouffé. Ou à l'inverse, peut-être qu'elle est trop loin.
Faites les ajustements nécessaires. Si la personne est trop loin, dessinez-la plus près de vous et voyez ce que ça donne. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous sentiez que la personne est à la juste distance de vous. Et puis rajoutez des personnages, tous les personnages qui comptent pour vous. Donc, par exemple, rajoutez votre femme, faites le même exercice, ou rajoutez votre mari, rajoutez vos enfants, faites le même exercice, rajoutez votre belle-mère ou toutes les personnes qui comptent, qui sont importantes pour vous et qui font partie de votre vie. Une fois que vous avez mis toutes les personnes à leur juste place, ressentez à nouveau. Ressentez à nouveau. Ressentez si finalement tout ce monde-là est à la juste place. Ressentez si finalement tout ce monde-là est à leur juste place par rapport à vous. Faites les derniers ajustements si besoin. Vous avez maintenant les clés pour agir dans votre vie, dans la réalité, afin de communiquer avec les personnes qui vous entourent et de vous laisser l'espace suffisant pour établir des relations qui soient satisfaisantes pour vous, entre vous et les membres de votre famille ou de votre entourage. Il est très important pour vous de trouver un espace relationnel dans lequel vous êtes bien. Cet espace doit vous permettre de souffler, de vous régénérer. Souvent, dans notre société, les gens ont tendance à ne pas trouver leur place, à être étouffés relationnellement parlant, ou à être trop isolés. Trouver la juste relation entre vous et les personnes de votre entourage vous aidera grandement à mieux vivre.